nous accueillons Théo Lemercier et Loïcia Demongeau. Alors, vous parliez de l'équipe de France de danse sur glace et de la chance que nous avions d'avoir de nombreux patineurs. Eh bien, Loïcia et Théo en font partie, avec une magnifique entrée dans leur première année senior, après une dernière année junior où ils ont été sélectionnés en finale de Grand Prix junior. Et ils sont troisième au championnat de France élite. Et ils s'entraînent à Villard-de-Lans. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce couple. Il y a du charisme dans leur patinage et surtout de la recherche chorégraphique. Très très bien. Vous avez raison, la danse sur glace française est riche, très riche. On sera encore plus riche quand on reviendra avec une médaille d'or au jeu. On croise les doigts en tout cas. Très belle trouvaille ce programme d'exhibition. Alors le thème musical, je vous le dirai à la fin parce qu'il est très très beau. Et vous allez sûrement être nombreux à le demander. C'est très bien. Alors c'est pas une chanson, c'est une orchestration, Rue des Trois Frères, et c'était interprété par je profite pour saluer notre ami rédacteur en chef Fabrice Colin, dont c'est le surnom, Fabrizio Paterlini, nous interprétait donc Rue des Trois Frères, sur un très joli thème de piano, donc Loïcia Demongeau et Théo Lemercier.